Mesdames et messieurs, je suis en live sur Animal Crossing. On a saigné ça avec ma copine toute la nuit là, mais je suis quand même là, swipez vers le haut, et puis venez nombreux, des bisous. Hello tout le monde! Ouais, j'ai l'impression que ça lag. Ah, attendez. Vous me voyez bien là? Ça bug, merde. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, bug caméra. Effectivement, ouais, ça bug, je vois que c'est pas fluide. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, vous pouvez me dire déjà si vous m'entendez bien? Image figée, on t'entend bien. Ah là, ça a l'air d'aller là. Ouais, là, ça bug plus là. Bon, on va y arriver, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug. Ça se trouve, ça va recommencer quand je vais vouloir passer sur la Switch. Mais au moins, dans l'instant T, ça marche, c'est le plus important. C'est l'heure de vérité. Pour l'instant, je bug pas, je suis fluide. Ah, ça y est, ça bug. Mais pourquoi ça bug? Ouais, c'est la pute de ma mère, je veux me cambrer, gros. Mais pourquoi ça bug comme ça? Vas-y, nique ça, mère. Hey, je suis saoulé. Pourquoi il y a 30 FPS? Même pas, il y en a 10. Est-ce qu'on peut jouer ensemble ou pas? Alors attends, parce que moi j'ai des soucis. J'arrive, je suis au stade où j'avais fait tous les réglages pour que ça fonctionne bien sur Animal Crossing et au final il y a tout qui bug. Ok. Trop bien. N'hésitez pas à venir sur mon live, les potes. Non, j'ai. Oh la vie de ma mère que je vais me cambrer, gros. Je vais me cambrer tout sec. Mon cul va se tendre. Attends, Romain m'a dit quoi? De mettre ça en good plutôt qu'en best. Mais c'est ouf quand même que j'ai un PC à 4000 balles et que ça rebug comme ça là. Attends, ça a l'air de tenir là, non? Attendez, ça a l'air de. Ah non, ça rebug, putain. Ah, vas-y, bah nique sa mère, j'arrête game capture là. Ça. On va couper le live, je reviens tout à l'heure. Je reviens dans 10 minutes. Le temps de régler. Ah, mais ça bug plus là. Ah, mais non, ça bug plus, c'est bon. Là, vous voyez le jeu là. Et ça ne bug plus. Là, vous entendez le son du jeu normalement. Maintenant, le seul souci que j'ai, c'est que moi, j'entends pas le son du jeu. Are you fucking kidding me? Du coup, je veux entendre le son du jeu. Mastu 60 ans a beaucoup de mal avec son PC, mais c'est mon PC qui a beaucoup de mal avec moi. Pourquoi il bug? Je l'ai payé 4000 balles, frère, il bug. J'ouvre deux applis, il bug, fils de pute. Il me casse les couilles. Attends, on est 1400 et je vous propose quoi? Je vous propose un live réglage de son. C'est bon. Eh, là, y a plus de bug. Re, les gars. Ouh, ça y est, on est là, regardez. J'entends le son du jeu, normalement vous aussi, et je peux jouer tranquille. Et ça, c'est beau, c'est dingue. On croirait presque que je suis streamer, hein. Ah, cette satisfaction-là. Les copains. Pourquoi ça marche pas? Je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème. Et là, du coup, si je rebranche... Non! Mon PC va replanter. J'ai vu, ça a fait des trucs de couleur. Mon PC va replanter, non! Arrêtez! Restez là! Non, j'en ai marre, putain, de ce PC de merde! Mais qu'est-ce que c'est que ces lives? La vie de ma mère, je vais cambrer là! Oh, je rigole plus! J'ai besoin de me détendre, faut que je fume ma pipe. J'en peux plus. Ah, c'est par ici. Le confinement, il me rend fou là. Il me tend trop. Crime de la déchéance. Je vais faire un best-of de ce live et je vais l'appeler grosse merde. Pourquoi tu marches pas, toi? Ça marche pas! Je vais laisser la pancarte grosse merde là. Parfait, là je me sens bien. Alors. 2 hours later. Mon dieu, dites-moi si ça bug. Pour l'instant, rien à signaler. Faut que je vous explique ce qui s'est passé. En gros, mon PC, enfin le PC que j'ai jusqu'à maintenant chez moi, il a planté, voilà. J'ai décidé d'abandonner. Je vais être transparent avec vous. Je me suis allongé sur mon canapé, ici là qui est juste là. Et j'ai les larmes qui commençaient à monter de rage et de haine. Genre vraiment, je commence à me dire, mais vas-y, c'est pas possible la vie de ma mère là, qu'est-ce qui se passe? Ça me casse les couilles, tu vois. Du coup, j'ai décidé de me reprendre en main et je me suis dit, mais attends, à la Redbox, on a des PC et ils servent à rien puisqu'il y a plus personne à la Redbox. Du coup, j'ai fait ma petite dérogation et tout. J'ai filé à la Redbox, j'ai pris un PC, je suis revenu avec. Là il est là. J'ai totalement volé un PC à la Redbox. Je vais te balancer à Maxime. C'est bon, il est au courant. Je lui ai dit après avoir pris le PC. Si ça marche pas, je sais pas ce que je fais. Je vais vriller, c'est sûr. Est-ce que ça marche? Dites-moi que ça marche. Dites-moi que tout est bon, que tout est HD, que tout est ok. Le son est comment? Ça marche, BG, oui, enfin. J'ai envie de pleurer. Yes. Du coup, j'ai joué un petit peu toute la nuit, jusqu'à 6h du matin, je crois. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, il y a plus aucune mauvaise herbe par terre, ou quasiment pas. Et ça, c'est pas de mon fait, c'est juste ma meuf qui a désherbé toute l'herbe. Ensuite, j'ai déjà upgradé ma maison, je vis plus dans une toile de tente, je vis dans une maison. Ensuite, ici, il y a le musée qui va se construire et j'ai deux habitants normalement. Normalement, il y a Ben et Kat. Comment t'as eu une maison? Alors pour tous ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un peu compliqué, mais quand on arrive, il y a Tom Nook qui nous dit "Ouais, si tu veux rembourser ton prêt, il faut que tu payes 48 000 clochettes ou alors tu rembourses en nouilles n'importe quoi. Tu rembourses en nouilles. Tu rembourses en Miles Nook." Et du coup, les Miles Nook là, ça permet de gagner des points comme ça, hop, 300 points. En haut à droite, il y a le nombre de points total. Et quand t'arrives à 5000, tu peux lui donner ses points. Et du coup, ça te permet de rembourser ton prêt et la toile de tente qu'il t'avait donné. Et du coup, il te fait une proposition. Il te dit "Hey, frérot, est-ce que tu voudrais pas une maison?" Moi, vu que je suis un pigeon, je dis "Hey, mais ouais, trop." Et du coup, il me dit "Bah, je te la fais construire et tu me rembourseras au fur et à mesure. Ça te coûtera 98 000 clochettes." Et moi, tu sais, je lui dis "Hey, mais c'est pas grave, je peux rembourser en miles. C'est quand même vachement mieux." Et il m'a dit "Non, ça c'est qu'une offre pour le début. Maintenant, tu dois cracher ta thune. Donc, du coup, si je veux une maison plus grande, il faut que je paye plus cher. Mais pour le moment, je vous montre ma maison quand même. Attendez. Rentrez dans le palace, allez-y, faites-vous plaisir. Elle est vide, elle est totalement vide, hein. Voilà. Il y a une radio quand même, une Switch, je la meublerai plus tard. Mon objectif va être de me faire un nombre incalculable de thunes et faire un maximum de miles et profiter. Les pommes, je vais les garder. La casquette. Elle ressemble à quoi la casquette en fait? Ça va être entreposé aussi ça. Je peux enlever mon jean là ou pas? Attends, est-ce que je viens de voir que je pouvais l'enlever? Ah oui, totalement. Ouais, on va le remettre, j'ai zéro flow là. Je pense que la pêche sera plus simple que le. Oh putain, il y a une bête d'insecte là-bas. Attendez, je capture le. Ouah, c'est fat sa mère. Ok, faut que je fasse gaffe. J'espère que je vais le choper. Petit pas. Je l'ai vu, c'est bon. J'ai attrapé un capricorne des agrumes. Avant de le donner à Tom Nook, je vais quand même aller voir le prix de l'espèce. Juste pour voir. Parce que le frérot, j'ai l'impression qu'il me douille un peu. Quand tu réfléchis, il faut que tu. Alors attends, on réfléchit. Tu dois payer ton billet, ta maison, ta toile de tente. Ça coûte une blinde, genre il me demande 100 000 clochettes en gros. Ensuite, une fois que t'as fait ça, il te demande de réunir des matériels pour construire
dans les magasins. Il faut également que tu fournisses le musée en insectes, en poissons et en fossiles. Je fais tout en fait. C'est moi le maire de la ville, c'est pas lui. Yes, une godasse, super. Grave lourd. Tu sais que la première fois que j'ai ramassé une godasse, mon personnage a dit oh, ça me donne une idée. Et en fait, son idée c'était juste d'aller crafter des bottes quoi. Donc il se fout de ma gueule. Hein. Ah oui, je voulais vérifier. L'insecte que j'ai attrapé, là combien il coûte? Je pense que ça se vend cher ça, non? 350 clochettes, c'est nul. Non, 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 c'est bon en fait, non. Mastu, bon, ce soir ce sera Animal Crossing. Alors si tu veux, vas-y, carrément, je suis chaud, Cadavis. Je viens détruire ton village et c'est nickel. T'as intérêt à vite activer les droits, frérot, parce que ton village il va pas faire long feu si je reste dans les parages. Le nom de ton île, je crois qu'on a mis Mastu Island. J'ai fait en prévision de si les gens voulaient me rejoindre. J'avais pas d'inspiration en vrai. Ah non, non, pas du tout. Je l'appelle Utopia. Ouais, parce qu'en réalité, avoir une île parfaite comme celle-ci, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc je trouvais que c'était un peu une utopie, et d'où le nom Utopia. Ah mais il y a du bois là par terre. Oh putain. Oh putain sa mère, oh j'ai failli mourir. Oh j'ai failli me faire piquer. Oh ce coup de pression que je viens de me prendre. Vous avez vu comment j'ai arrêté de parler? Mon visage il a dû... Mec j'ai dû avoir un visage si crispé d'un coup. Appelez les index s'il vous plaît. Yes. Putain encore. Oh j'espère qu'il est là le frérot chez lui là. Oh putain, on dirait qu'il n'y a personne. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Le filet, tu les chopes, mais j'aurais pas le temps, elles sont à côté de moi. Oh, je suis sous pression avec la musique. Ok, je vais essayer de courir et de choper le filet. Oh les putes, non, j'y crois pas, c'est une blague. Pourquoi il est pas chez lui là? Il sert à rien, Ben. Putain, pour une fois que je veux sympathiser avec lui, il sert à rien, il m'a saoulé là. Et allez, pute hache, je suis saoulé. Regarde-le, il est là, ce fils de chien. Arrête d'être joyeux. Oula, je sais pas si c'est juste un nouveau look que t'essaies, mais t'as une mine effrayante. Bah oui, à cause de toi, sale chien là. Ah mais non, eh bah elle t'a pas raté la bestiole qui t'a piqué. T'aurais bien donné un remède, mais quand je m'entraîne, j'ai rien en poche. Question d'aérodynamisme. Par contre, je peux t'expliquer comment fabriquer. Non mais je m'en fous, j'en ai déjà. Ah non, c'est bien, il me montre comment fabriquer, autant pour moi. Imagine peut-être pour un déménagement. À la fin de la journée, t'en as sué à la sueur de ton front et tout, tu vois, tu galères. Et ton pote il te dit tiens gros des WC et il te les tend dans les mains comme ça. T'as pas de voiture et tu dois rentrer en vélo. Attendez. Je suis allé au Japon et je vous assure. C'est des toilettes turques, ça, c'est pas des WC japonais, frérot. Vraiment taper toilettes japonaises? Je crois que c'est pas ça. Hein. Salut frérot, comment ça va? D'ivoire, j'ai 2-3 trucs à te vendre. Je dois te vendre le capricorne des agrumes, j'ai 2 nids de guêpe, j'ai une perche jaune, j'ai le papier peint que tu m'as offert. Parfait ça. Là on s'en sort pour un bon petit, je dirais un petit 4000 clochettes. Putain, et j'ai un compas dans l'œil. Tu as pris un bar sur un bateau, le barbare. Les jeux de mots ils vont m'affaiblir un jour et je vais prendre un fou rire nerveux, je le sais déjà. Regardez, j'ai laissé un petit message sur le panneau d'affichage hier. Vous en pensez quoi, dites-moi? J'imagine les villageois gros. Ils se lèvent le matin tout contents et ils vont voir le panneau d'affichage et ils voient ce message. Ça me termine. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est comme à l'ancienne? Après il y a des sacs de clochettes qui vont tomber. Oh oui! À moi la thune! 2000 clochettes. Oh là là, ça régale. Hein. Parfait. Faut pas que je me faille. Ça doit être des nouvelles espèces par ici, non? Bah les couilles, frère. Il m'a snobé là. Je comprends pas pourquoi il vient pas. Il s'en branle? Genre en mode mon appât est pas assez bien. Attendez, je l'ai peut-être mal mis juste. Ah oui, je l'avais juste mal mis en fait. Une carte, putain, nice, ok. Si je te revends tout, combien tu me prends là? Je suis très curieux. Attendez, j'essaie de faire une estimation. Je pense qu'il va me lâcher un... Je sais pas, c'est dur. Je dirais 13 000. Waouh! C'est si tentant! Ah, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Mais par contre, c'est si tentant. 20 000 clochettes, sa mère là! On va chez moi parce que je vais tenter de vendre là. Je vais péter un câble. Là, vous me trollez là. Y a pas de pépites dehors. Ah, vous me trollez. Vous me trollez parce que sinon, vous me diriez où est-ce qu'elle est. Donc c'est du troll. En vrai, tu l'as loupé. Quoi? Regarde à gauche, à côté du rocher. Y'a aucune. À gauche. Vas-y, vous êtes fou, vous êtes en full troll, c'est pas possible. T'es aveugle, MDR. Vas-y, la vie de ma mère, si vous trollez, c'est plus drôle là. C'est toi la pépite FDP. Ah, Cadavis. Attendez, y'a un clip qui a été fait, la pépite de Mastu à gauche. C'est un troll. C'est un troll. Bande de chiens. Vous avez fait un faux clip pour me troller, vas-y, c'est abusé là. Vous n'avez jamais entendu. Oh, y'a un cadeau là-bas. Il vient. Oh oui, putain, ça va être le premier cadeau que je vais péter. Alors là, je le rate pas. La vue de WOM, je le rate pas. La perspective, elle est bizarre. Comment tu sais où tu dois te mettre? Ah bah voilà, parfait. Attendez, mais avant c'était des vieux objets nuls, non? C'est vrai que la vie est simple dans le jeu, putain. Pas besoin de travailler, tu te balades, tu tapes les rochers, tu t'as l'inspire sur toi et c'est bon quoi. Hop, une petite OP sponsor là, 10 000 euros. Ah, merci pour la cam, les gars, je la remets. Putain, c'est chiant ce bug, putain, abusé. En vrai, quelqu'un qui arrive sur le stream là, il pourrait juste croire que je suis très concentré et que je ne bouge pas d'un poil là. Ton chat est aussi bruyant qu'un chien, il fout le bordel. Eh ben oui, hein, c'est le pire chat. Et là, il fait n'importe quoi, il joue avec ses jouets, il. Oh, c'était ce que je devais pêcher, super, nickel. Ma cam a encore freeze. Mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est pas possible. Vas-y, puis ça fait les pires arrêts sur image. T'es pas la gueule de con que j'ai. Après, je m'étonne que les gens ils me follow pas. Je m'étonne, ils arrivent sur stream, ils voient ça. Non. Wow. Je peux pas la prendre. J'ai plus de filet. A few moments later. Est-ce qu'elle est toujours là? Hey, what happened? Nope. J'y arrive pas. Vas-y, je suis trop mauvais. Oh, je l'ai eu. Oh, j'étais à deux doigts de crier. Non, je vis pas tout seul, il y a ma copine et mon chat. Ma copine qui subit du coup mes lives et mes gueuleries depuis 3h30 à peu près. Et qui veut jouer Animal Crossing et qui ne peut pas. Imaginez, vous avez un copain streamer ou une copine streameuse, elle vous empêche de jouer Animal Crossing parce qu'elle est en train de live. C'est quel niveau de tolérance? Et le pire dans tout ça, c'est que quand je suis en live, elle m'apporte à manger et à boire. Imaginez un petit peu cette copine parfaite. Vous voulez que je vous raconte une vraie anecdote? Vous savez que j'ai pleuré devant Resetti? C'est pas une vanne. Hein. Pour vous expliquer un petit peu la situation. Quand j'étais petit, j'étais un peu con des fois sur les jeux. Et en fait, il y a un moment, j'ai pas sauvegardé plusieurs fois d'affilée. Du coup, il a pété un câble plusieurs fois d'affilée. Et il y a un moment où il m'a demandé d'écrire
écrire. Je crois qu'il me demandait d'écrire sauvegarder. Vous voyez là, vous pouvez écrire en minuscule, vous pouvez mettre des accents, vous pouvez mettre même des lettres bizarres comme ça. En fait, il me demandait d'écrire sauvegarder en majuscule. Sauf que moi, j'écrivais sauvegarder en minuscule parce que de base, ils te mettent en minuscule. Il me disait non, tu l'as mal écrit, nanana. Du coup, je restais bloqué. J'avais beau relancer la DS, j'arrivais pas à me défaire de la taupe. Du coup, je pleurais parce que je pouvais plus jouer. Et je pensais que mon jeu, il avait planté. Genre vraiment, je disais à ma mère, faut aller en racheter un et tout. Elle m'en a pas racheté, hein, bien sûr. Et elle a bien fait, parce qu'au bout d'un moment, quand j'ai compris qu'on pouvait écrire en majuscule, bah ça a réglé le problème. Voilà, c'était l'anecdote nulle du Théo qui était complètement con quand il était jeune. À propos du magasin, vas-y, prends ma chute, prends mes pépites de fer. On a tout ce qu'il faut pour construire notre nouvelle boutique. En guise de remerciement, comme c'est un peu grâce à toi qu'on a réussi à réunir ces matériaux, on aimerait te demander de choisir l'endroit où sera construit. Oh bah super comme cadeau ça, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Il y aurait pas écrit gros chien sur grosse merde sur ma tête. Si je suis en live, c'est incroyable les gars, je vois plus rien. Je vois plus rien. Ah ouais, je suis totalement en live. OK. Bah les gars, sachez que je vois plus le chat. Je suis obligé de regarder sur mon téléphone. OK. Et bah je vais poser le magasin. Ça va être le moment d'aller manger, je pense. Putain, les problèmes que j'ai qui n'existent qu'à aucun streamer à part moi. Bah, ici en vrai, je vais le poser là. Comme ça, tout sera centralisé autour de ma maison. Ouais, il sera parfait là. Construction de la boutique. Demain à 5h, on a un musée, une boutique. Let's go!